Bon, c'est Adolphe Numbi-Mamba, ancien de Kapolowé. Nous avons appris dans les médias, dans les bouches des gens, soi-disant que M. Katumbi n'a pas étudié. Nous voulons faire un démenti, ensemble avec tous les amis qui m'entourent. Ils sont tous anciens de Kapolowé. Donc, M. Katumbi a étudié avec nous. Moi, je l'ai vu à Kapolowé, pendant qu'il était trop petit, venant de l'école primaire. Il était dans un internat de petits, moi j'étais de l'autre côté des grands, mais nous avons étudié ensemble avec lui à l'Institut Kapolowé. Nous avons même joué ensemble au foot comme il aimait le foot. Donc, si je fais ce démenti, il y a des témoins qui sont avec moi ici. Parce que parmi eux, il y a ceux qui ont étudié ensemble sur le même banc, la même promotion, et ils ont terminé ensemble, ils vont le témoigner. Donc, M. Katumbi a étudié avec nous qui sommes réunis ici. Nous sommes tous anciens de l'Institut Kiangalele, Kabukwikwi, Kapwanino, Lueshi, Luashi, Luafu. Ah, voilà, c'est ça. Je viens pour témoigner que réellement Moïse Katumbi Tchapwe a étudié à Kapolowé. Moi, je fus son collègue de banc et de classe depuis première secondaire. On était en première B jusqu'en sixième. Nous avons étudié ensemble. Et à Kapolowé, on se mettait par ordre alphabétique. Moi, c'est Kat. Lui, c'est Katumbi. Donc, depuis première CO jusqu'en sixième, on était sur le même banc. On a terminé ensemble et on a eu le diplôme la même année. Bon, pour ceux-là qui disent que Moïse n'a pas étudié, bon, je m'étonne, hein? La preuve est là, nous sommes là, moi je suis là. Même notre professeur Tshibanda, Wamwela Bujitu, bon, il nous connaît. Il nous avait donné Psychopéda, donc les cours d'option. Les professeurs Inouen nous donnaient anglais. Bon, les témoignages sont là. Nous sommes là, les groupes des anciens élèves de Kapolowé. C'est notre collègue, c'est notre frère. Réellement, il a étudié. Comme preuve, nous sommes là. Bon, on est dans des places, on occupe quand même des places dans des sociétés, dans des entreprises. Comment dire que lui n'a pas étudié? Si moi qui ai été avec lui sur les mêmes bancs, je suis quand même un responsable, un cadre quelque part. Donc, c'est faux tout ce qu'on dit. Oui, j'ai des souvenirs. Nous, de Lubumbashi, on n'avait pas de bus. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'élèves de la GECAMINE. À Kapolowé, les gens de Likasi, Kambove, Kakanda, Kipushi, on les amenait dans des bus GECAMINE. Mais nous, à Lubumbashi, on n'avait pas de bus. C'est son frère, Raphaël Katebe-Katoto, qui nous prenait. Donc, on nous appelait, non, venez, on allait sur Mayenge-Kato. C'est là où on prenait notre camionnette Peugeot. On nous prenait là-bas jusqu'à Kapolo. Même au retour, bon. C'est lui qui venait nous prendre jusqu'ici. On ne donnait même pas un rond. C'était gratis. Et depuis son enfance, et je me rappelle, ma maman était morte en 91. Moïse était venu chez nous quand les Mpiodi, les Thompson, étaient vraiment un luxe. Hein? Oui, un luxe. Moïse avait amené chez nous un carton de Thompson, les fretins là, Calémie, l'huile, tout ça, et il avait remis une enveloppe à mon papa. Donc, c'est quelqu'un du social. Mon nom, c'est Monsieur Kaleta. Je voudrais ajouter sur ce que mes amis viennent de parler ici. Je confirme que j'ai été avec Monsieur Katumbi à l'Institut Tiangalele de Kapolowé. En même temps, j'ai mangé avec lui
quand nous étions à Kapolowé au village, parce que nous, on faisait l'autocuisine, alors il aimait manger avec nous. Nous étions les aînés, les adultes de l'Institut. Alors on était avec lui. Je ne peux rien dire ni ajouter. Tout ce que je peux confirmer qu'il a étudié à Kapolowé. On peut dire tout ce qu'on veut pour peut-être nuire à quelqu'un, mais nous confirmons qu'il a étudié à Kapolowé. C'est des bons souvenirs. De souvenirs que je garde de lui, je peux te donner un petit souvenir. C'était quelqu'un qui était trop jeune. Et quand on voulait laver ses habits, c'était les grands qui lavaient. Et chaque fois, il donnait un peu de sous à tous ces gens-là, à son âge-là, pour qu'il lave, pour qu'on lave ses habits. Voilà, c'est ça. Ça, je peux vous dire. C'est M. Yav Chemou. Je voudrais m'adresser à ceux-là. Je voudrais juste m'adresser à ceux-là qui prend aujourd'hui Monsieur Moïse comme un parvenu comme ça. Monsieur Moïse, je peux témoigner que je l'ai connu à bas âge, parce que nous avons cheminé ensemble pendant 3 ans, je crois, comme ça, à l'école primaire. Donc, dès la 4e primaire, 5e et la 6e, parce que moi, j'avais refait la 6e primaire. Alors, lui, il est passé en premier CO. D'ailleurs, en 5e, j'ai fui même... il fut même mon collègue de banc, vous voyez, en 5e primaire. Et puis c'est quelqu'un qui a une bonne mémoire, parce qu'à un moment donné, j'étais juste en passage de Kasumbalé, Saraba, mais il m'a reconnu. Il m'a tiré même à l'oreille comme ça, il m'a dit, toi Yav chez moi. Alors je me suis demandé, mais ces messieurs ici... qui peut m'appeler comme ça. J'ai tourné ma tête comme ça, c'était Moïse Katumbi. Alors, avec ces souvenirs-là, il voulait même que je puisse travailler même avec lui, mais malheureusement, j'avais d'autres occupations. Alors, je voudrais témoigner que... Parce qu'il y a même des gens qui posent la question, est-ce que Moïse, à cette époque-là, il était un expatrié ou comment? Mais il était un Zaïrois. C'est un Zaïrois. Parce qu'à cette époque, avec la dictature de Mobutu, tous ceux qui étaient comme étrangers, on l'expatriait, on l'expulsait, hein? On expulsait, voilà. Excusez-moi, ma français, Nyo Ebandou. Alors, c'est un peu ça. Je voudrais témoigner que Moïse Katumbi, c'est notre frère. C'est notre frère. On a...